écoutez-moi bien. Cette petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? Soldat Gates, au rapport. Bien, et vous et vous alliés, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strassel. Une sale blessure, soldat. Prenez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est des nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Monte jusqu'à 4. Expire. Monte jusqu'à 4. Et le tout. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, nous passerons le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? Là, la guerre, passe sur les points de la messe du dimanche. Allez, debout! Une bonne équipe, comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz, Gatz, Hudson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Ah, j'aime bien la musique, la cinématique et tout, la confirme... que la mise en scène est bien maîtrisée et l'ambiance est vraiment sympathique. Alors, rebonjour, c'est toujours Last Angel sur le 180 minutes chrono de The Wolfenstein New Order. Et je dois dire que j'espère que les sites professionnels vont pas être méchants avec ce jeu, parce que je le trouve vraiment sympa, avec une ambiance vraiment sympa aussi. Oh putain, oh putain, c'est dantesque presque, c'est hollywoodien, hein, c'est, il y a du Lovecraft, ouais, par contre ça avance doucement là, on peut pas courir sur le mur, c'est dommage, il va plus vite que moi l'autre devant, là. Craft, ah ça fait mal hein. Il a fait pour ta gueule. Alors, donc la semaine prochaine, ça sera le tour de Watchdog. Et si je reçois mon édition collector en temps et en heure, vous aurez un unboxing aussi. Ouais, ça rien, mais là, ça va passer. Alors, on va pas s'attarder. Hein. Au début, je voulais faire les secrets, tout ça, mais. Ah, pas ça. Ouais. Ah, c'est aujourd'hui que le boucher il meurt. Donc on va pas s'attarder sur les secrets, tout ça. Je vais quand même récupérer les munitions, tout ce dont j'ai besoin. Parce que je voudrais vous en montrer quand même un maximum de jeux. Donc comme le but c'est de faire que 3 heures de jeu, on va essayer de faire un maximum de choses en 3 heures. Et il nous reste 2 heures à peu près. J'espère que la première partie vous a plu. Bon boulot, Blasco. La porte s'ouvre. On va pouvoir entrer. Hop. Ça, c'est bon, ça. On avait un gun silencieux, je crois. Continuez de monter. On vous rejoint là-haut. Merde. Il ne doit pas y avoir silencieux là-dessus. Allez, l'autre con, il a donné l'alarme. C'est là qu'ils sont. Ça va plus que les barres. Ils sont raides, les mecs. Ouais, ça va, c'est bon.
Ouais, c'est bon, il est raide. Ok, mais il me semblait avoir vu un silencieux sur le gun. Il y a peut-être moyen de le mettre ou... Pistolet... Ah non, pourtant... Ah non, il fait du bruit ce con. Merde, c'est pas ça. Si, c'est ça, les touches, option des touches. Il n'y a pas un truc pour mettre le silencieux. Lancer, reculer, couteau. Ah, ça peut être le mode de tir. Le mode de tir, c'est quoi déjà? Excusez-moi, modifier mode de tir droit, c'est contrôle gauche. Alors. Ah bah d'accord, ok, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, bah, on le sait maintenant. Ouais, mais je suis pas fou, j'avais bien vu qu'il y avait un silencieux qui traînait quelque part. Dans la vidéo d'avant, là, j'avais pas fait gaffe. Ah, je viens de bouffer les croquettes du chien. Énorme. Putain, j'ai bouffé les croquettes du chien, j'en reviens pas. Alors, ça bouge pas les cadres, hein. Salopard. Bon, allez. Hop. Donc, ça se bouge pas non plus. Je suis déçu parce que pour l'instant j'ai pas trouvé de passage secret encore. C'est pas en bas. Ok. Verrouillé. Que ça se passe. Je suis paumé là, merde. Par là, commandant de tour, c'est ça qui est marqué. Commandant de tour. Ah. Désolé vieux, t'avais qu'à pas porter cet uniforme là. De la merde le gueule, hein. En même temps c'est pas fait pour aller au combat comme ça, c'est plus pour ok. Américain ça. Alors pardon, hein, je suis un peu concentré des fois, je vous oublie pas, hein. Rassurez-vous. On va voir si on peut se faire un peu de furtivité. Du chien, mais il a pas eu le temps de rien. Et là j'ai débloqué un truc éclaireur. Ah, on l'a joué fine là, hein. C'est pas désagréable non plus, hein, même si c'est pas à l'origine la vocation. Alors là, attends, avant de partir on va regarder si des fois il n'y a pas des trucs quand même vite fait, munitions ou autre. Ferme ta gueule. Capitaine Blazkowicz, on s'approche d'une sorte de cour. Ah, j'ai eu du cul, dis donc, parce que c'est de là que je viens, non? Ouais, bah ouais, ouais, je sais pas d'où il sortait, lui, là, mais... Ah, ça doit être de là qu'ils sortent les renforts quand ils déclenchent l'alarme. Ok.
j'arrive. C'est pas par là. Ouais, c'est ça. C'est là. Ferme ça. Fais comme ça, tu fais du thé. Moi, c'est du café plutôt. Ah putain, vous avez vu l'autre au ralenti là, comment il s'est jeté sur moi. Je pouvais plus rien faire, j'étais obligé d'attendre en fait qu'il soit sur moi pour le cutter. Ça. De nouveau l'arme pour la recharger. Je vais prendre l'autre là. Ils veulent pas claquer les mecs. Il va y avoir un moyen de leur niquer la gueule. Putain, merde, c'est vrai que ouais, on peut tomber dans celui-là. Merde. Ah mais j'aime bien la musique et tout quoi. Bon alors. Ok, donc tu prends les crânes de côté. À chaque fois sur le truc. Merde, le truc il est plus là. Ah putain, il y a du monde là. D'accord.
fermé comme d'hab. Là il y a quoi? Ah il y a un code là. Okay. Ah il va m'en manquer qu'un à la fin, je suis deg. On dirait que t'es blasé, non? Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blazkowicz. Ouais. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Ah, je les ai fait péter. Allez, allez, pousse, 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 pousse. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas à la messe le dimanche? Ouais, tous les dimanches, avant de casser du nazi, je vais faire la petite prière. Il y a une église qui tient encore debout en ce moment. Les boys, le jour dîner, à vous! Vas-y, petit gars. Aie pas peur, c'est rien. Essayez de pas se recasser la gueule, ça fait deux fois que je me casse la gueule déjà. Tiens-moi, 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 tiens-moi. Attends. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que moi t'allais... Ah, putain. Bah voyons. Il fait noir. Ça devient ridicule. J'ai les pieds cassés. Ah, on va être obligé de t'abattre. Non, je déconne. Ah oh, putain, c'est crade. Marc, sa vie, elle vaut plus grand chose. Hein. Les pieds cassés, on va pas pouvoir se le trimballer. C'est cruel, mais c'est la dure réalité. Ah, ils vont nous cramer, les enculés. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais il est con lui! Ouais, ça serait bien qu'elle souffle celle-là. On est foutu! Ferme ta gueule, je vais pas nous porter la poste. C'est bon les mecs, j'ai la clé. Ah putain, allez, on se casse. Viens les gamins. Allez, viens là. Allez. Allez, t'es lourd, toi, tu sais que t'es un faux maigre. Allez, vas-y, avance.